La question de votre lectrice appelle une réponse à plusieurs niveaux. La question était de savoir ce qui se passe, étant considéré qu'elle a été contrôlée, ou son véhicule a été contrôlé, et que les services de police ont constaté qu'elle n'avait pas de vignette d'assurance à jour sur son pare-brise. Ça, c'est une première infraction qui théoriquement devrait amener à être verbalisée. C'est une contravention de deuxième classe, c'est-à-dire une petite contravention. Vraisemblablement, d'ailleurs, elle aura une amende forfaitaire qui est d'une trentaine d'euros. Mais ça peut amener en général une deuxième étape qui est, on va lui demander vraisemblablement de justifier de l'existence d'une assurance, du fait qu'elle dispose bien d'une assurance pour son véhicule. Et là, elle disposera d'un délai de 5 jours pour apporter cette justification, autrement dit, se présenter au service de police avec la justification de son assurance. Si elle ne répond pas à cette convocation dans les 5 jours, c'est une deuxième infraction qui est plus grave que la première. Nous sommes cette fois-ci avec une contravention de 4e classe. Et là, elle risque une amende qui peut aller jusqu'à 750 euros. La police, vraisemblablement, d'ailleurs, ne laissera pas les choses ici si elle ne justifie pas. Donc, on va la contraindre à justifier. Si elle fournit la justification, donc, les choses rentrent dans l'ordre. Si, en revanche, on constate qu'elle n'a pas d'assurance du tout, à ce moment-là, l'infraction devient grave, puisque c'est un délit. C'est une infraction de type contraventionnel qui peut entraîner une amende jusqu'à 3750 euros, mais qui peut emmener également l'annulation, la suspension, voire l'annulation de son permis de conduire, voire même d'ailleurs la confiscation de son véhicule et encore quelques autres peines accessoires. Donc je résume, 1, on doit avoir une vignette d'assurance sur son véhicule. Si elle n'est pas là, ça n'est pas très grave. Deuxième étape, il faut justifier de la réalité d'une assurance. Si on en justifie, c'est pas très grave encore. Mais la troisième étape, c'est d'avoir réellement une assurance. Et là, par contre, on est dans une infraction grave si l'on dispose d'un véhicule qui n'est pas assuré.